comme Talab Aïn de Omor, qui fera une première prestation musicale. Ensuite, le buffet sera ouvert. À la fin du dîner, le groupe Talab Aïn de Omor fera une deuxième prestation musicale. Après cela, on procédera à la découpe du gâteau et à la prise d'une photo souvenir, avant de conclure notre cérémonie. Merci beaucoup. Nous allons commencer par la récitation du verset du Saint-Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خالدين فيها.
في كل جمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. Par ici, c'est mieux. Ah, ça va, ça va être. À présent,
nous allons procéder à préparer la rotation sur le 27e anniversaire de la fête. Un nouveau système qui affiche une bonne santé à l'export, à l'image de celui de l'aéronautique.
la Diop du Maroc, qui ne cesse de donner une importance d'investissement à l'échelle du monde. Hamadi namna msi dungao wakati uno ngari jungra uharmali dafu la ritaj mahalani kao usiku waliwa inu tarehi mingu miraru ya humwezi wa julieti mahazi uzili wa 24 do idawla ya Marok na kifaume ii sherehiyo et célébration de l'anniversaire de la fête du trône. L'ambassadeur du royaume du Maroc à l'Union des Comores a convié les autorités ici présentes pour célébrer cet anniversaire de la fête du trône. Hamadi namna rimushele zizauni ranzi dahunu uretaj lelo tarihi mingu miraru ya humuzi wa julieti mahazi uzili wa shirini nane lo ishirehi lao ye anniversaire de la fête du trône et Daoula, ya
kifaume ya Maroko ranzi ndahunu retaji. سعادة الأمين العام للحكومة، سعادة وزراء وزير الخارجية والوزراء والوزيرات وأعضاء القمرية، سعادة السفراء ممثلين السفارات الموجودة في جزر القمر، وأحيي كذلك ممثلي المنظمات الدولية في جزر القمر. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمحوا لي أول مرة أقول بداية في البداية أن سكنة اللغة العربية أبقي بعض الكلمات وبالله أبتدئ. أحب الذكرى 25 من شهادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أرشا إسلامي المنعمين. الشعب المغربي يستحضر بأسماء ظاهر الفخر والاعتزاز قوة وثامة الاقتحام اليقين الذي ما فتح يجمعه بالعرش العالي والمجيد على امتداد جميع مراحل بناء صرح المملكة الرخاء والازدهار وأهم المعطفات الحاسمة والمواقف الصعبة من تاريخ الأمة المغربية. وتأتي هذه الذكرى المجيدة كل يوم 30 من تموز من كل سنة لتسلط الضوء على أواصر المحبة القوية وتألق الشعب المغربي الراسخ بجلالة الملك محمد السادس نصر الله عليه رمز الأمة وموحدها وباعث النهضة المغرب الحديث الذي تمكن من فضل حنكته وتبصره وسداد رؤية جلالته وتجدد أبناء هذا الوطن الحديث من شق طريق التقدم والازدهار بكل عزم وثبات. والشعب المغربي إذ يخلد هذه الذكرى الحافلة بالدلالات والحمولات التاريخية الوازنة يجدد تأكيده على متانة رابطة البيعة الشرعية من خلال استحضار بعدها الديني القائم على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وتشبثه الراسخ في تخليق هذا البيت الوطني المجيد جريا على العادات والتقاليد المغربية العريقة. وعلى ضوء هذه الحقائق يحق للمغاربة الاعتزاز بهذه الرابطة المتينة التي ما فتئت شعلتها تتقد وتكبر في العهد الزاهر جلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي تمكن بفضل رؤيته المتبصرة وقيادته الرشيدة من جعل المغرب منارة صادعة أضاءت بإشعاعها وتألقها مختلف أرجاء المعبود. Vous excellences, Mesdames et Messieurs, chers invités, Monsieur le Secrétaire Général du Gouvernement, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, Monsieur les femmes et ministres du gouvernement comorien, chers collègues, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs représentants de l'organisation internationale, j'avais dit tout à l'heure que je souhaitais la bienvenue entre nos compatriotes qui sont ici, qui sont venus de loin, pour célébrer avec nous ce mémorable moment. Soyez bienvenus chez vous. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers invités, aujourd'hui on célèbre le 25e anniversaire. L'intronisation de Sa Majesté le Roi Mohamed VI de la VI. C'est une célébration de l'âme de l'allégeance du peuple marocain à son souverain, symbole de la cohésion entre le peuple et son roi. C'est la deuxième année qu'on célèbre ensemble, dans cette rencontre à Moroni, c'est un instant d'anniversaire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis un mois? Depuis qu'on a ouvert l'ambassade en 2022. Premièrement, je pourrais citer un exemple. Le premier exemple, c'est que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont élu Son Excellence, Monsieur le Président,
Azania Somali en tant que président de l'Union africaine pour l'année 2023. L'Union des Comores a assuré pour la première fois de son histoire le président de l'Union africaine. La deuxième des choses qui est mémorable pour cette année, c'est la réélection du président, son Excellence Azania Somali, pour un nouveau mandat de 5 ans. Des élections qui se sont consacrées à l'unité et à la paix, qui sont des préalables à la concrétisation des objectifs essentiels pour l'Union des Comores, 4 ans en avant après son accession à l'indépendance. Résolu pour poursuivre sa marche de développement, les Comores sont sur les rails de cette voie, en prenant les mesures d'assainissement nécessaires pour aboutir au classement des Comores par la Banque mondiale, dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires. Nous félicitons aussi la nomination du nouveau gouvernement, un nouveau gouvernement de jeunes, une jeunesse pour l'espoir, symbole d'espoir et de performance, pour donner, et je cite son Excellence, Monsieur le Président, à cette importante catégorie de notre population, pour donner à cette catégorie de la population comorienne l'occasion de faire ses preuves à travers l'innovation, la créativité et la diligence. L'Union des Comores a accédé à l'OMSI, un autre exemple aussi, pour 2024. Ainsi, poursuivons sa marche vers le progrès et à garder le cap du développement socio-économique. Et qu'en est-il de notre partenariat, de notre coopération bilatérale maroc-comorienne? À ce titre, je pourrais par exemple qualifier cette coopération, ce partenariat bilatéral, par deux mots, actif et rénové, bâti sur de nouvelles passerelles pour asseoir une coopération fructueuse dans de nombreux domaines, conformément à la vision des deux chefs d'État. C'est la voie, avait dit Sa Majesté le Roi en 2006, que Dieu nous préserve. C'est la voie de la solidarité, de la paix et de l'union que le Royaume du Maroc a choisi. Réaffirmons notre engagement en faveur du développement et de la prospérité de soi et de citoyens africains. Car les peuples d'Afrique ont les moyens et le génie. Et nous pouvons ensemble réaliser les aspirations que le peuple a mis de Sa Majesté. Mes Excellences, Mesdames et Messieurs, chers invités, je me réjouis aujourd'hui de l'évolution de la coopération bilatérale avec un pays ami, les Comores, notamment avec l'ouverture de nos deux ambassades. Nos relations bilatérales se caractérisent par une coopération étroite et une compréhension mutuelle. La politique prônée par Sa Majesté le Roi en 2006, que Dieu nous préserve, visant à donner un nouvel élan et la relance de la coopération inter-africaine dans le cadre de la coopération sud-sud. Il reste un grand espoir pour les pays de notre continent africain. L'initiative atlantique en faveur des pays du Sahel représente la vision royale. Je pourrais citer juste cet exemple. L'initiative de Sa Majesté le Roi Mohamed VI visant à renforcer l'accès des nations sahéliennes à l'océan Atlantique, concrétisant ainsi la coopération sud-sud sur un partenariat gagnant-gagnant. Mes Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis invité, permettez-moi encore de citer une autre évolution de notre diplomatie. Et à ce titre, je cite, dans une évolution significative. Juste aujourd'hui, ce matin, à l'occasion de la célébration du 25e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté, le président de la République française, M. Emmanuel Macron, a adressé à Sa Majesté un message annonçant officiellement au souverain
Et je cite le message de son excellence le président français. Il considère que le présent et l'avenir du Sahara s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Mesdames et Messieurs, je vous invite permettez-moi de saisir cette occasion aussi pour confirmer que, premièrement, depuis 25 ans, nous assistons avec fierté à cette profonde faculté de faire rupture avec tous les aspects pacifistes de notre nation. Grâce à la vision éclairée d'un roi qui observe le monde dans toutes ses manifestations et ses ramifications, qui prévoit, qui prévoit, qui anticipe et qui prend les devants pour insuffler une dynamique d'excellence dans tous les domaines de la vie marocaine, de la politique à la culture, en passant par la société, par l'économie, par la finance et par l'incitation continue à la recherche, au dépassement des acquis pour porter le pays encore plus loin et plus haut. Il y a aussi l'ouverture sur le monde. Le royaume du Maroc a été toujours terre d'ouverture. Le désir de jeter des ponts culturels avec toutes les autres cultures. La nécessité de dialoguer. Le sens du partage. Le partage des visions, d'élan vers la paix, sans oublier l'introspection, qui, elle, réalise ce pari infaillible d'alliance entre les années du passé et les rêves de l'avenir. Mesdames et Messieurs, vos Excellences, chers invités, le Royaume-Uni est aujourd'hui son engagement aux côtés des Comores. Et je souligne, c'est dans l'esprit de la vision du souverain, d'une coopération sud-sud, comme j'avais dit, forte, agissante et multidimensionnelle. Le Royaume se tient aux côtés des Comores en cet ambigu prometteur que représente le plan émergent des Comores 2030. Le Royaume du Maroc aussi apportera sa pierre à ce nouvel édifice et ce, conformément à la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le Royaume du Maroc aspire sincèrement à porter son engagement effectif dans l'émergence de ce pays frère. Les Comores peuvent compter sur le Royaume du Maroc pour les accompagner de manière concrète et durable, à titre bilatéral ou dans le cadre d'une action triangulaire avec notre partenaire. Merci pour votre large attention. Merci, monsieur le chargé d'affaires, pour votre discours. À présent, nous allons entendre le discours de son Excellence, monsieur Mohamed Mbaye, ministre des Affaires étrangères de l'Union des Comores. Merci. Excellence, monsieur le président Zali Assoumani, président de l'Union des Comores, représenté par le directeur de cabinet, son Excellence Monsieur Youssouf Hamed Ali Bellou, Excellence Monsieur le chargé d'affaires du Royaume du Maroc, chers frères, Excellence Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellence Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Excellence Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales accréditées à Moroni, Mesdames et Messieurs, en voulant grade et qualité du protocole respecté. En ce jour de célébration de la fête du trône, permettez-moi tout d'abord d'adresser les meilleurs vœux de santé, de bonheur et de succès au peuple frère du Maroc, à Sa Majesté le roi Mohamed VI, dont la vision éclairée inspire aujourd'hui le reste de l'Afrique. Si ce 25e anniversaire de l'accession du trône, de l'accession au trône du roi Mohamed VI, marque la solidarité de la fonte des institutions marocaines, il témoigne surtout de la place centrale qu'occupe la monarchie dans la mémoire collective des Marocains.
Ce lien unique de baisse et filiale qui unit les peuples marocains et son souverain depuis des siècles et continue encore d'émerveiller le monde. C'est là, mesdames et messieurs, l'Union des Comores se réjouit du retour triomphal du royaume du Maroc au sein de la famille africaine et rend ici un vibrant hommage au roi Mohamed VI, grand artisan de ce rapprochement et fervent défenseur de l'unité africaine. La politique africaine du Maroc, fondée notamment sur le renforcement de la coopération sud-sud et sur la prise de conscience de notre communauté de destin, suscite aujourd'hui l'adhésion de tous les États africains. Nous constatons avec satisfaction l'extension ces dernières années du réseau diplomatique du Maroc en Afrique et une hausse sans précédent des investissements marocains sur le continent, passant d'environ 100 millions de dollars en 2014 et plus de 800 millions en 2030. Cet engagement du Maroc en faveur du développement de l'Afrique ne s'est jamais démenti et couvre des secteurs aussi variés que la banque, le tourisme, le transport aérien ou encore la santé. Ce partenariat stratégique entre le Maroc et l'Afrique, surtout subsaharienne, reste un excellent accélérateur de croissance et un facteur important de réduction du taux de chômage. Excellences, mesdames et messieurs, le Royaume du Maroc et l'Union des Comores entretiennent des relations privilégiées, marquées par la solidarité, la fraternité et une parfaite convergence de vie sur les questions internationales et régionales. La coopération bilatérale qui embrasse de nombreux secteurs prioritaires témoigne la profondeur de ces liens d'amitié entre les deux pays. Par l'ouverture du consulat général. Par l'ouverture du consulat général à Lagnoul et en décembre 2019, l'Union des Comores a une fois encore réaffirmé son attachement à l'intégrité territoriale du Maroc. Nous faisons partie en effet des tout premiers États à avoir inauguré une mission diplomatique dans les provinces du sud du Royaume. La tenue de la Grande Commission mixte maroco-comorienne le 31 mars 2022 à Dakhla restera dans l'histoire comme la première réunion bilatérale organisée par le Maroc dans le Sahara marocain. De nombreux accords de coopération ont été signés à l'issue de cette commission mixte. Nous appartient aujourd'hui de poursuivre le dialogue et la concertation pour traduire en acte nos engagements respectifs. L'Union des Comores tient ici à exprimer son infinie gratitude au Royaume du Maroc qui a toujours pris une part importante dans la formation de l'équipe comorienne et le renforcement des capacités de l'armée nationale. L'ouverture d'une ambassade des Comores à Rabat et d'une ambassade du Comores à Moroni confirme la volonté des autorités de deux pays de donner une impulsion nouvelle à cette coopération bilatérale. Pour clore mon propos, les Comores se félicitent de la décision de la France de reconnaître la souveraineté du Royaume du Maroc sur son Sahara. Il s'agit d'une décision juste et qui s'inscrit en droite ligne du consensus international en faveur de l'intégrité territoriale du Maroc. Sayyidati wa sada, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Su'idni ghaya ta sa'ada an akula bayna a'ilukum muhtafla bihadihi ala munasaba al-tarikhiyya al-anzima. Munasabati taqlidi al-dikra al-khamis wal-ashirin. Tarabu sahib al-jalala al-malik Muhammad al-Sadis. Nasu'u Allah wa yadahu. Malik al-mamlakat al-maghribiyya al-shaqiqa. Ala arsh aslafihi al-yamin. المايرانيين الذين كانوا خير السلف لخير خلف وهو أمر يعطينا اتباعا مركزا وفريدا لأن نتبرع إلى الله بأن يمد بجلالة الملك بالصحة والعافية والعمر المديد والشعب المغربي الشقيق التقدم والازدهار
في ظل الرؤى المستنيرة التي تلهم رؤيته المستنيرة اليوم ببقية القارة الأفريقية. أصحاب المعالي والسعادة، الإخوة الكرام، إن كانت هذه هي الذكرى الـ25 لاحتلال عرش صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تمثل في الواقع صلابة وقوة المؤسسات المغربية في مختلف المجالات، فإنها تشهد قبل كل شيء على المكانة المركزية الفريدة التي تحتلها الملكية في الذاكرة الجماعية وعلى التمسك الراسخ بها بقدر ما هي من بآباتها أن تقدم يوما نموذجا رائعا مدهشا للعالم على مدى قرون. السيدات والسادة، الإخوة والأخوات، إن جمهورية القمر المتحدة قيادة وشعبا تفتخر بشرف كبير بانتماء مملكة المغرب إلى العائلات الأفريقية، ويجب علينا أن نوجه التحية لكبار وإجلال الملك محمد السادس، المهندس العظيم لهذا التقارب والمدافع القوي عن الوحدة الأفريقية. والحق يقال إن استداء الفضل إلى ذويه بالفضل والاعتراف بالجميل كمال الواجب، فإن سياسة المغرب الأفريقية ترتكز بشكل خاص على تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب رغبة في التضامن من أجل كسر الفجوة التقليدية بين المانعين والمتلقين، وعلى الوعي بمجتمع مصيرنا وهو غاية يجتذب اليوم دعم جميع الدول الأفريقية على حد سواء. وفي هذا الإطار العظيم نقل بارتياح شديد توسيع علاقات الدبلوماسية المغربية في أفريقيا خلال السنوات الأخيرة بقدر ما باتت زيادة غير مسبوقة في الاستثمارات المغربية على أرض قارات أفريقيا حيث ارتفعت من حوالي 100 مليون دولار سنة 2014 إلى أكثر من 8 مليون دولار سنة من 2021. كما أن التزام المغرب بتنمية أفريقية لم يتزعزع أبدا باستقرار البلد وواجباته الوطنية نحو الاهتمام بالأعمال المصرفية والسياحة والنقل والجوي والصحة. سيداتي والسادة، تتميز علاقات المملكة المغربية مع جمهورية القمر بزاويات ذات الخصائص الجماعية الناجحة بكل المقاييس. هي تاريخية من حيث انطلاقها منذ فجر الاستقلال، وهي قوية من حيث نتائجها المتعددة في هذه المناسبة الأسطورية الرهيبة، وما ذلك إلا الإرادة القوية الجامحة والجهود المترافقة بين الشعبين الصديقين والأصل الأكيدة عبر قيادتهما المخلصة في تحقيق الأهداف والتطلعات، وما في انتهاء المسؤولية العامة لجمهورية القمر المتحدة بالعيون في ديسمبر 2019. أكد جمهورية القمر المتحدة مرة أخرى التزامها الثاني بوحدة الأراضي المغرب واستعدادها الكامل للتعبير والدفاع عن ذلك في مختلف الميادين. ونحن في الواقع من أوائل الدول التي افتتحت بعثة الدبلوماسية للأقاليم الجنوبية في المملكة المغربية. أيها الحضور الكرام، أشهد التاريخ بإعقاد اللجنة المشتركة الكبيرة بين جمهورية القمر المتحدة والمملكة المغربية الشقيقة يوم 31 مارس 2022 بمدينة الدخلة، باعتباره أول اجتماع ثنائي يضم المغرب للسهراء المغربية، قد تم بالفعل توقيع على العديد من اتفاقيات التعاون في نهاية هذه اللجنة المشتركة. والأمر المطلوب لنا الآن لمواصلة الحوار والتشاور ترجمة التزاماتنا إلى أفعال. وطلب جمهورية القمر المتحدة أن يعرض عن امتنانها الكبير للمملكة المغربية الشقيقة التي تلعب دورا رائدا في تكوين وإعداد كوادر هذه البلاد، وكذلك مساهمتها الفعالة في تعزيز قدرات الجيش الوطني القمري. كما أن افتتاح سفارة جمهورية القمر المتحدة بالرباط إنما هو خير دليل على اهتمام قيادات البلدين الشقيقين لتعزيز العلاقات إلى آفاق أرحب تستجيب التطلعات والآمال. كما لا أنسى في هذه المناسبة التاريخية أن أرحب أوصية بخطوات الحكومة الفرنسية نحو اعتراف السهراء المغربية لأنه جزءا لا يتجزأ من الأراضي المغربية، وهو قرار صائب في محله. ولا يسعفني في نهاية كلامي إلا أن أجدد تمنياتي بالصحة والعافية
صاحب الجلالة الملك محمد السادس من شعب المغربية الشقيق، داعيا من العلي القدير أن يلهمه الصواب والحكمة، ومن يهد الحكمة فقد خير كثيرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Bonsoir. Je vais très brièvement vous présenter l'orchestre Paramaï qui existe depuis juste l'année dernière et qui essaie de préserver le patrimoine musical des Comores, à savoir le Param, qui est quasiment en voie de disparition. La preuve, c'est que vous voyez pratiquement le dernier violoniste des Comores, car il n'y en a plus, qui est sur scène. Donc nous allons vous interpréter quelques chansons, trois, et puis on verra après si la soirée continue. On va commencer par une chanson dont le titre est Hatsumugeza. C'est une chanson d'amour, et franchement, ceci prouve que les Comoriens des années 60 étaient des grands romantiques à travers cette chanson qui parle d'un homme très malheureux, qui est dans le tourment, puisque sa bien-aimée n'est plus là. On commence donc par cette chanson qui sera interprétée par Abdoukar. Oh,
Du Maroc, venir dire un petit mot. Merci. Messieurs les ministres, messieurs les ambassadeurs, honorables assistants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je serai extrêmement bref. Je voudrais d'abord remercier Abderrahmane ici présent, ainsi que chef d'orchestre qui ont bien voulu venir honorer ce moment historique pour le Maroc et pour nous, les frères du Maroc, qui est mon tant de Maroc et qui sont tant liés avec le Maroc. Merci à vous d'être venus et gagner ce moment délicieux parce que le Maroc, très honnêtement, mérite qu'ensemble nous puissions passer ces moments, bien que loin du Maroc, mais nous sommes tous Marocains de cœur. Je voudrais rappeler que le Maroc est une vieille nation de 1400 ans, la musique, elle est présente dans la culture et la civilisation marocaine. Les Comores aussi, nous avons des points communs, parce que l'histoire des Comores, elle est hélas méconnue. Mais nous avons un passé extraordinaire, à tout point de vue, artistique, musical. Et là, c'est une belle illustre de la renaissance de la musique comorienne. C'est pourquoi j'ai tenu tant pour que des gens qui se donnent et qui ne sont pas suffisamment connus ni encouragés, que désormais il soit connu dans des milieux comme celui-ci, et pour que, enfin, la musique comorienne, la vieille musique comorienne, qui plonge en réalité son histoire dans le passé de cette nation, qui n'est pas jeune non plus, on n'omet pas, et on omet malheureusement de le dire, une vieille nation comorienne qui date de 1000 ans aussi. Je voudrais vous remercier et vous encourager, et je suis certain que maintenant que le gouvernement est là, un gouvernement dynamique qui va certainement s'empresser pour vous aider, vous encourager, vous assister, parce que nous sommes le seul pays, je dis bien le seul pays, qui hélas n'a pas d'orchestre national. Ne perdons pas notre âme, vivons, faisons vivre la nation comorienne à travers l'âme de la musique, à travers cette même musique, à travers notre passé, à travers nous-mêmes, parce que nous-mêmes nous sommes aussi cette musique. Merci à vous. Et merci pour ce moment et bravo pour le Maroc. Pour terminer, dire que je suis particulièrement heureux de voir qu'une nation, un vieux pays aussi, qui est un témoin historique du passé,
de l'Afrique qui s'appelle la France, qui vient de reconnaître aujourd'hui la marocanité du Sahara marocain. Bravo et nous reconnaissons cet acte majeur dans l'histoire de l'Afrique. Merci à vous. Aux Marocains, merci. Merci à Maître Fahmy, notre président d'honneur. Alors, comment on considère que les gens qui font de la musique sont des gens un peu perdus, qui n'ont rien, qui ne font rien d'autre? Non, je suis docteur en anthropologie et professeur certifié à l'école française Henri Matisse. Donc, c'est pas pour... Non, c'est pour sauver la culture commande. C'est pour ça que tous ces gens-là, et un deuxième professeur à l'école française Henri Matisse. Il y a des économistes ici, il y a de tout. Donc, considérons la musique comme un rien, comme un objet sérieux, absolument sérieux, sur tout le terrain, et qui fonctionne. Alors maintenant, nous allons relever un défi. Un défi lancé par son excellence l'ambassadeur du Maroc, encore. Il nous a demandé, tenez-vous bien, hier, je dis bien hier, de jouer une chanson marocaine. Moi j'ai crié, c'est pas possible. Il m'a dit, faites ce que vous voulez. Eh bien, les hommes que vous voyez derrière ont travaillé d'arrache-pied pour essayer d'interpréter une chanson marocaine dont le titre est Inas. Inas.
Merci, c'était juste pour. On va revenir sur une chanson de Marianne. Je pense qu'après, on va vous laisser dîner tranquillement. Une chanson de Marianne. Puis après, si vous êtes encore là, on continuera à vous faire une démonstration de notre patrimoine musical. Comment rien. Alors, nous allons. Nous allons interpréter une petite chanson dont le titre est Zahra à Réveilla. Elle date, je crois, des années 40, soit des années 50 ou 60. Alors, encore une fois, les Comoriens, pour démontrer ici leur romantisme, en tout cas les Comoriens de cette époque-là, car c'est encore une fois une chanson d'amour, c'est la poésie lyrique, la poésie du cœur. La poésie des sentiments. Et celle-ci sera interprétée par Alvaro. Je demanderai aux amis qui sont là parmi vos passionnés de monter un peu le son ici, sur scène, car on ne s'entend pas. Peut-être que là-bas vous entendez, mais ici on ne s'entend pas. Merci. Je suis en train de me